21h minuit sur Énergie, en podcast sur énergie.fr. Bon, on va parler du foot vite fait là, puisque l'Euro vient à peine de rentrer. Il y a des places de foot pour ceux qui avaient bien pronostiqué pour le match de soir. Alors la blessure dont tu parlais là, justement. J'en ai pas parlé malheureusement. Bah, pas encore, mais si. Ouais. Ah non, c'était pas celle du. Non, c'est pas pareil. D'accord, je crois que c'était pas le terme. En parler hier, c'est Arsenal qui jouait contre Birmingham et Taylor, qui est un joueur de Birmingham, arrive en faisant un tac de ouf sur Eduardo, le joueur d'Arsenal, et la suite est sur le site. Normalement. Ça c'est pas sûr, hein, t'enflamme pas. Hein. C'est pas sûr, je vous envoyais un mail dans la journée. Si vous voulez voir, âme sensible s'abstenir, c'est la blessure de Eduardo. Il défonce. Ouais, c'est-à-dire qu'il arrive au niveau du tibia et le pied casse le tibia en deux. Ah, pire que si c'est quoi. On voit que c'est plié. Ah ouais, c'est pire que si c'est. On voit que c'est plié, donc je pense que Ced a mis la photo sur les sites. Allez voir. Je pense. Sinon, on commence par la nouvelle affaire Messi et les Marseillais. Le racisme a décidé d'être omniprésent en ce moment. On sait que Messi a été mis en cause après l'histoire de Wadou. À Bastia ce week-end, il y a les supporters qu'on dit sur une banderole. On n'est pas raciste. La preuve. Deux points, on t'encule. Non, ça c'est en rapport avec l'affaire Kébé, un Burkinabé, qui s'est fait insulter sur la pelouse de Bastia. Et là, pour la rencontre Lyon-Metz qui s'est passée ce week-end, comme par hasard, des supporters messins ont commencé à faire des saluts et des chants nazis. Donc ils vont être réprimandés, normalement. La punition devrait arriver dans le courant de la semaine avec la commission d'éthique. Sinon, il y a Loric Sana, le Marseillais, qui est suivi par Everton. Il y a les dirigeants du club qui l'auraient rencontré à Moscou à l'occasion du Spartak Moscou contre l'OM. Très bien. Bon, et puis d'autres infos aussi. Ouais, c'est les clubs français qui seront désormais dédommagés si leurs joueurs partent en sélection pour disputer l'Euro 2008. C'est-à-dire que par exemple Lyon a plusieurs internationaux dans leur club. Les internationaux vont partir, du coup Lyon va devoir les payer alors qu'ils sont en équipe de France et qui du coup ne pourront pas jouer avec les Lyonnais. Donc ça sera 4000 euros par jour et par joueur. Par jour, sympa, hein. Par jour et par joueur. Donc pour donner un exemple, Lyon possède à peu près 20 internationaux. C'est ah, ça, quand dans, même, ce, sera, hein. Dans, ce oui, sera dans 5 minutes sur le site. Ah, c'est donc, pour ça qu'ils sont bons. Voilà, non, mais Lyon. Dans différentes équipes, c'est la meilleure équipe de France. Donc Lyon va toucher 80 000 euros par jour. Voilà. Sinon, pour la Coupe du Monde, ça sera 2 000 $ par jour et par joueur. Et en fait, pour l'euro, voilà, donc là c'est 4 000 euros par jour et par joueur. Le prochain euro, ça sera 5 000 euros par jour et par joueur. Et ça fera que augmenter petit à petit. Voilà, sinon il y a le Barça qui a démenti aussi vouloir recruter Mourinho pour la saison prochaine. On retrouve l'émission Sans Interdit dans son intégralité sur michael.fm ou tous les soirs dès 20h sur Énergie.